de la Médine de Rabat. Tu dois chercher le djellaba marocain. Avec le... Ah ouais. Avec sir. Sir, sir, ouais, sir, sir. C'est le symbole des de Marocains au Qatar. Exactement. Sir, sir, exactement. Dima. Dima Maroc. J'ai aussi acheté la chemise comme ça. La chemise Maroc. Oui. Avec le tenue. Avec le tenue. Le fessier. Ah ouais, zellige. Zellige. Ouais. C'est la tradition marocaine, le zellige. Mm-hmm. C'est pas grave qu'un autre pays qui nous a, je ne vais pas dire volé, mais ils ont pris le zellige marocain. Oui. Pour le montrer sur leur t-shirt. J'ai aussi ça nous donne de la fierté. Comme les Marocains sont connus partout. C'est bon. C'est l'équipe était incroyable. L'art et le joie dans les mots, c'est quelque chose que nous pouvons oublier dans tout le monde. Vous venez justement de Qatar ou bien de. Non, nous sommes ici et ça, c'est notre famille. Notre famille des États-Unis. Pour la fête de Noël. Ils arrivent pour la fête de Noël. On est ravis de vous rencontrer ici. Même le bébé. Comment il s'appelle? Iona, c'est une île à côté de l'Écosse. Une île importante pour les chrétiens, en fait. La tradition chrétienne. C'est très bon, non? Pour une île, c'est. Je ne sais pas comment on peut s'occuper de l'appeler. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un nom magnifique. Ils aiment bien les nouveaux noms. Je trouve l'équipe de ce match. Au match, tous les matchs. Oui. Qui ont joué. Oui. Contre la Croatie, aussi de contre la France. C'était incroyable de voir l'équipe. Et en fait, j'étais à l'aéroport de Casablanca pendant le Casablanca. Match de Canada et vous avez assisté le match à Casablanca? Non, j'étais dans l'aéroport de Casablanca. Ouais. Et j'étais vraiment surprise parce qu'il n'y a pas du tout une télévision dans l'aéroport, dans le terminal domestique. Donc j'ai ouvert mon laptop. Ils n'ont pas mis la télévision dans l'aéroport? Pas dans le terminal domestique. J'ai ouvert mon laptop. Et j'ai fait un hotspot. J'ai assisté le match et c'est comme ça, tout à fait. J'ai un grand groupe de nouvelles amies américaines pour voir le match avec mon ordinateur. Ce sont des Marocains ou bien des Américains? Non, tous sont Marocains. Marocains? Oui, tous sont Marocains. Vous avez vivé l'instant. Exactement. Hey. Si. Ils ont dit, vous êtes Canadienne? Parce que j'ai porté le jupe rouge et j'ai dit, non, je suis Américaine, mais je suis pour Maroc. Je suis pour Maroc. C'est le match de Canada. De Canada contre le Maroc. Exact. Ils t'ont pris pour une Canadienne. Non, je suis pour les Marocains. Non, les gens qui assistent avec toi le non, match. Non, ils sont tous les Marocains. Non, ils ont dit que vous êtes Canadien. Ils ont pensé que j'étais Canadien. Tu es Canadien. Ah, mais... Ils leur ont dit non, je suis Américain et je suis avec le Maroc. Exact. Dis-moi Maroc. Bono. C'est très bon. Et Hakimi. Et Hakimi et toute l'équipe. Vous connaissez tous les joueurs de l'équipe. Ah, bien oui, sûr. Ils sont bien connus. Ils t'ont satisfait. Nous sommes des grands fans. Ils t'ont satisfait pour les matchs, tous les matchs qu'ils ont joués. Sans exception. C'est un grand exemple de la famille et de l'esprit et de le pouvoir et la persévérance. Je ne sais pas le mot en français, mais c'est un grand exemple pour les enfants et pour tout le monde. Les enfants. La relation entre les enfants et leur mère. Oui. Exactement. Et pendant que nous étions dans la rue à Hériad, il y a un grand groupe de femmes et des hommes et des âgés et les enfants. C'est incroyable de voir la communauté de Maroc ensemble pour quelque chose et avec beaucoup de joie. Ça fait là. C'est une grande partie et une grande mémoire pour nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour cette équipe, cette jeune équipe? Vous avez beaucoup de talent, vous êtes vraiment doués. Et aussi, je voudrais dire une chose pour l'équipe des femmes.
pour la Coupe mondiale féminin parce que votre équipe est vraiment forte aussi. On a une équipe très bonne. Exact. Hein. Donc peut-être il y a un match entre les Américaines et les Marocains. Vous suivez tous les Marocains partout. Ah bien sûr. Oh, vous êtes Marocain. je suis Américaine mais j'aime beaucoup le Maroc bien sûr. Je vous disais merci. Merci à vous. Je vous disais puisque vous êtes Marocain, j'ai rien à vous dire sauf. Dima Maroc. Dima Maroc. Dima Maroc. Bonjour. Vous êtes ici Poufa. Chez vous. Vous êtes vraiment donner l'exemple des Marocains qui vivent ailleurs bien et sûr. Qui aiment le Maroc, hors Maroc, ici au Maroc. Ici. Je vous souhaite le bienvenu au Maroc. Merci à vous. Merci. Thank you. Thank you so much. Pour les Marocains. Ok. Je veux dire seulement que je suis vraiment. J'ai beaucoup de chance d'être ici pendant le grand parcours de l'équipe marocaine. Je suis américaine, mais c'est un temps inspirant pour moi et pour ma famille de voir l'équipe et tous les Marocains et tous les Africains et beaucoup, je ne sais pas la quantité de personnes qui soutiennent l'équipe et j'aime beaucoup l'esprit de Maroc. 40 millions Marocains. 40 millions Marocains, mais aussi mais tout le monde. J'ai beaucoup de amis. On ne va pas dire seulement les musulmans, mais non, tout le monde. Et aussi, j'ai beaucoup des amis aux États-Unis qui aiment beaucoup l'underdog. Je ne sais pas le mot pour ça, mais c'est quelque chose d'autre. Mais c'est une grande, grande, grande chose de voir l'équipe et l'esprit et toutes les personnes dans la rue ensemble de célébrer le succès. Quelques noms des joueurs marocains, tu les connais? Ah oui, c'est Hakimi, c'est Bonou, bien sûr, c'est Ziyech et l'autre. Boufal. Mon mari aime beaucoup Boufal. Mais c'est l'équipe. Et Mrabat, Mrabat, on n'oublie pas Mrabat, c'est l'homme. Souci aussi. Ah oui. Il y a beaucoup. J'adore l'équipe, j'adore l'esprit, j'adore votre coach. C'est une. Regrégui, elle est vraiment inspirante. En fait, j'étais enseignant avant et c'est une bonne chose de voir. Son effet dans l'équipe et son manière de gérer l'équipe. C'est un bon exemple pour les Marocains et pour le monde. Un message pour l'équipe. Sire, Dima Maroc, je t'aime votre équipe, merci. Thank you.